Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un petit tour de carte. Alors, oui, la première chose qu'on peut remarquer c'est que les dos sont rouges, comme le tapis, mais l'étui est bleu. Alors, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Vous voulez tout de suite? Ok, parce qu'en en fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'ai une partie bleue, une partie rouge dans le jeu. Alors, un jeu de 52 cartes, 52 cartes toutes différentes. Et nous avons besoin pour ce tour d'un spectateur. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais séparer les rouges des bleus. Donc les rouges, je vais les mettre à droite. Et les bleus, je vais les laisser à gauche. Je demande à un spectateur de choisir une carte dans la partie rouge. Donc son choix est libre. Par exemple, ici, d'accord? Je vous montre la carte, vous la mémorisez. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets le tout pour le jeu. Maintenant, regardez. D'un côté, le paquet bleu. D'un côté, le paquet rouge. Un mouvement magique. Et instantanément. Si je vous montre les cartes. La carte que vous avez choisie a disparu du jeu. Je vous laisse regarder. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Simplement en étalant les jeux, le jeu bleu, une carte rouge apparaît au milieu. Et vous allez même croire. Rappelez-vous la carte que vous avez choisie. C'était le 9 de pique, c'est ça? Eh bien, yes. Le 9 de pique a voyagé du paquet rouge au paquet bleu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.